C'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les bolos et les ringardes, est-ce que vous êtes prêts à redécouvrir un chef-d'œuvre de la Super Nintendo? Là on va jouer à la Super Nintendo CD, oui, avec le son MSU, hein, voilà, je pense qu'il y en a déjà qui ont compris la supercherie, ça fait un moment que ça me gratte, ça fait longtemps, je l'ai pas fait, au moins 2-3 ans, c'est trop long. C'est trop long, un Super Metroid, ça s'entretient, là. Alors, salut moi, Iceman, salut Herbert, salut JB, comment que ça va, les gars? Salut Kedester, est-ce que vous connaissez la Super Nintendo MSU, les mecs? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, si la Super NES avait eu son lecteur CD, si, voilà ce que ça pourrait donner. Toc. Là, on va redécouvrir Super Metroid. Yo mon pépé, salut Yako. Voilà les mecs. Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez la musique? Je vous la monte, je vous monte un peu le son. Ça crépite parfois un peu, hein. La méthode n'est pas parfaite. Ça change tout. Ça change tout les mecs. En plus, là, c'est le avec la musique orchestrale. Vous allez voir, on a l'impression de jouer à un film. C'est un truc de fou. Et toi, avec la chaleur, ben, on survit. C'est ok, le son. C'est cool. C'est cool, mon pépé. C'est pas un jeu de malade, ça. Salut, mon Arty. Yo, mon Ridic. Salut, FC Hyperve. Comment tu vas? Bon, ben, les gars, pour ceux qui connaissent pas le MSU sur Super Nintendo, vous êtes pas prêts. Salut, Seb. Comment tu vas? Écoutez-moi cette musique, les mecs. C'est le turfu du passé. C'est, ouais, c'est, bah voilà. C'est ça, Herbert, ouais. Salut, Adio. Comment tu vas? Allez, comme d'hab, un petit grillage de clope. Le temps que vous arriviez. Salut, Nijempo. Je me suis commandé une crasse frite pour ce soir. J'ai la dalle avec Big Burger. Ah, bah, tu vas te mettre bien, là. Salut, Dams. Sacré jeu. Ah, on attaque une légende, là. On attaque une légende. Salut, Nigel. Je dirais un jeu de fou, moi personnellement j'ai connu, moi je l'ai acheté Day One, hein. C'était pas Day One, c'était dans la foulée. Je l'ai fait à l'époque, c'est une bombe. Je l'ai fini je sais pas combien de fois. Voilà, désolé du retard de 4 minutes. Bah pour la peine tu seras banni Seb. Salut Nigel, je sais pas si je t'avais salué. C'est tellement propre, donc là on est sur émulateur les gars, parce que bah le MSU, on peut jouer avec les musiques CD hein, sur la vraie console, hein, y a pas de problème. Il faut, ça marche avec un SD de SNES, hein, avec un, voilà, un Everdrive. Mais là, bon, moi j'ai pas l'Everdrive, j'en ai pas forcément besoin, donc on y joue sur émulateur. Voilà, c'est nickel. Salut moi, salut Scal. Donc on va se faire, après Equinox, on va se faire l'aventure Metroid 3. Voilà, Super Metroid. Ensemble, ça va faire quelques streams. Oui, oh bah ça va me revenir, hein. Je le connais pas par cœur, mais ça va me revenir de toute façon. Mon Everdrive Pro prend le MSU, c'est bon ça? Metroid, c'est Samus. Non JB, Metroid, c'est la petite bestiole que tu vois au milieu, là. Et Samus, c'est la nana qu'on incarne. Salut mon Dorn, comment tu vas? Ah, la musique. Ça va le son, là? Vous entendez bien la musique, les gars? C'est pas trop fort? Vas-y, dites-moi que je règle ça. Le but du jeu, c'est que vous entendiez bien la musique. Hein. Parce que là, vous allez voir, ça change tout. Hein. Pour celui qui connaît bien Super Metroid et qui a pas joué qu'une version MSU, c'est redécouverte, les mecs. Hein. Ça va nickel, et toi? Chaudement. Chaudement, mon Dorn, mais... Ça, on commence la canicule. Ça va piquer samedi, là. Donc, on va voir. Son ok, super. Nickel. Voilà, impeccable. Super, les gars. Ah, Iliane, comment tu vas, mon pote? Ça va, tu survis à Tunis? Attention, Iliane, il y a canicule samedi. Apparemment, ils ont annoncé 46 à Tunis. Nous, on aura 38-39. C'est quoi le MSU, Nigel? Donc, c'est le son CD pour les jeux Super Nintendo. Là, si t'entends la musique de Super Metroid, c'est pas comme ça. Hein. Sur le jeu original, c'est pas comme ça. Donc là, ça, on va faire tout le jeu avec une musique qualité CD. Comme si la Super Nintendo avait eu son lecteur CD-ROM. Comme le Mega CD, en fait. Voilà.
Et là, vous allez voir, mais il y a des jeux, mais on les redécouvre. C'est un truc de fou. Ouais. Et ouais, Pépé, hein, bah oui, là, on va être... on va être vers le 10 juillet. Bon. C'est pas trop une surprise. Alors. T'as pas... Ouais, si, Dorn, ça y est, j'ai la clim, là. Mon vieux, il a eu pitié, il m'a dit non, vas-y, je te paye la clim. Donc j'ai la clim. On la met juste la nuit pour dormir. Alors, Castlevania ou Super Metroid, ton best jeu SNES? Oh bah, Super Metroid, direct. J'aime bien Castlevania 4, mais sans plus, quoi. Voilà, enfin, si t'as vu mon top Castlevania, j'explique tout, quoi. Salut Jack! Salut Romain! Super Metroid, il est dans mon top 5 direct, hein. Voilà. Ça a été fait après coup, c'est pas officiel, non. Non. Bah, le MSU, ça date d'il y a quelques années. Alors, il y a plein de jeux comme ça, hein. Il y a Zelda, il y a... D'ailleurs, j'ai fait... si tu veux voir Zelda 3, je l'ai fait entièrement en MSU sur la chaîne principale il y a quelques années. J'ai une playlist Zelda 3, si tu veux. T'iras voir, si tu veux, avec musique orchestrale et tout. Et ils ont même rajouté un dessin animé d'intro. C'est un truc de malade. Comme si le jeu était sur un CD, en fait. Voilà. Salut Sorrento! Metroid tellement labyrinthique. Et encore, c'est pas le 1. Hein. Le 1 c'est pire. Hein. Le 1 c'est pire. Hein. Un des meilleurs jeux de tous les temps. Ouais, non, mais il est exceptionnel. Hein. Il est exceptionnel. J'ai même pas été à la plage tellement ça cogne. Ouais, puis là ça va. C'est que le début, mon gars. Hein. Faut y aller le soir. Faut y aller genre maintenant à partir de 5h. 5-6h. Alors, t'as testé Moonwalker? Non, j'ai pas testé Boa. Faudra que je l'essaye, tiens. Voilà, la clope est terminée. On va pouvoir y aller. Moi j'aime mes jeux SNES avec le nouveau SNES et un shader TV, bah oui. Là je suis sur SNES 9X là. Justement. Les gamins me font la gueule. Ah pourquoi? Parce que tu veux venir tout seul? Alors, mais dorme, mais carrément, hein, t'y vas à 1h ou 2. Tu sais, à 1h ou 2, il fait encore 25, hein. Donc pas de problème, hein. C'est ouf ça, c'était passionné. Ouais, voilà, c'est des passionnés qui ont refait les musiques. Ouais. Alors, soit c'est des remakes des musiques connues, ou soit c'est carrément autre chose, comme là. Dans Super Metroid, là, il y a plusieurs versions de son Super Metroid. Il y en a une qui reprend un peu l'OST SNES, mais avec une qualité CD. Et celle-là, là, qui est une des dernières, je crois, qui avait une musique orchestrale, comme si c'était un film. Ah non, la plage, d'accord. Allez, on va prendre la première partie. Alors, tout de suite, le réflexe, faut aller dans Contrôleur Setting. Voilà, et changer le mapping, parce que le mapping, il est pas bon. Et là, on est bien. Et les gars, c'est parti. On va mettre l'intro. Je vais vous monter le son. The last Metroid is in captivity. Hop, attends, bouge pas, ça coupe, là. Je vous fais péter le son, les mecs. Ouais, je l'ai fait à M2R, il est excellent, Dan. Is at peace. Écoutez-moi la musique, les mecs. Exceptionnel. Il y avait des voix aussi dans le jeu d'original. Ah, j'ai des frissons, les mecs. C'est exceptionnel. Alors ça, c'est la fin de Metroid 2 sur Game Boy. C'est symphonique, c'est orchestral, non. C'est une musique de film, mais c'est fait exprès. En dernière fois, c'est il y a pas longtemps, hein, 3-4 ans, hein, c'est pas très vieux. Chipoupou, salut. Salut Vincent! Qui joue à ce qui a donné le style Metroidvania, et oui, mais ce Super Metroid il explose encore, je sais pas combien de Metroidvania modernes. C'est pour ça les Everdry Pro, même si c'est cher, tu vas quand même, bah oui. Ça y est, c'est parti. Ah bah l'immersion, elle est. Vous allez voir, ça change tout. Hein. Alors ça vaut le coup de renouveler de.
Ou même en Twitch. Alors attends, comme c'est les vacances, dis-moi la vérité, DG. Oh bah c'est comme tu veux, Seb, hein. Voilà. Parce que moi je vais... Bon, bah quand je vais être en France, on va streamer un petit peu moins. Je vais essayer de streamer comme je peux. Après, en août, on reprendra normalement, quoi. Si tu veux, t'attends août pour renouveler, Seb, si tu veux. Allez, on est reparti, les gars. Voilà, super Metroid. Putain, putain. Eh, on croirait que c'est Alien. Je baisse un peu le son. Les gars. Voilà, vous me direz si c'est bon. Alors, sinon je suis sur YouTube. Ouais, ça marche, Seb, tu fais comme tu veux, t'inquiète. De toute façon, quoi que tu fasses, ça me soutient. Hein. Voilà, si tu renouvelles sur Twitch, ça me soutient, de toute façon. Oh putain, cette ambiance. Je l'avais fait en MSU, hein. Je l'ai terminé en MSU. C'est tellement la claque à chaque fois. Pourquoi les jeux étaient aussi bons? Non, la question, artiste, c'est pourquoi les jeux d'aujourd'hui sont pas aussi bons que ceux-là, ou voire même meilleurs. C'est pas normal. Alors, la grande vagrouille. Alors, baisse un poil. Bah, je vais laisser comme ça, vous me direz, hein, si je baisse un peu ou pas. Parce que le but, c'est vraiment que vous appréciez la musique, les mecs. Bon, là, c'est un combat de cheaté, on peut pas le gagner. Allez Ridley. Donc ça c'est le monstre emblématique, hein, de la série Metroid, Ridley, en hommage à Ridley Scott bien sûr, hein. Celui qui a, bah, qui a fait Alien, hein. Voilà, tout est lié. Oh, mais la musique c'est fou. La musique c'est dingue. Ah ça y est. Merde, il va se barrer, il va y avoir un zoom. Et hop, voilà, et là, c'est chronométré. Self-destruct, c'est parti. Et ouais, c'est ça, dame, ça. Putain, mais c'est pour ça qu'on aime le JV, mais trop. Allez, les gars, pour ceux qui connaissent pas le MSU, vous allez redécouvrir le jeu, là. Tu me donnes envie de le refaire, bordel. Vas-y, dorme! Faire et refaire Super Metroid, ça fait pas de mal à la santé, t'inquiète pas. Alors attends, voilà, toc, voilà, c'est bon. Il est sur Switch Online, ouais, c'est la version Super NES de base. Je vais t'envoyer un jeu un de ces jours, que je participe pas à l'abonnement. Oh bah Arty, pas de soucis, tu peux envoie-moi ça en France, hein, au bled, ça coûte cher. Enfin tu me fais un MP sur Twitter, on voit ça, c'est pas grave. C'est pas un problème. Petit resto ce midi avec les enfants. J'ai la tête qui va exploser. Ah, yo mon super soussou, comment tu vas? Alors, voilà, c'est là que le jeu va commencer. On est parti. Donc les bruitages c'est les mêmes, hein, comme vous avez pu voir. C'est les musiques qui changent. Oh putain, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon, alors, on va vite se rendre. Regardez cette ambiance, mec. C'est le même jeu, mais c'est pas le même jeu. C'est un truc de fou. On va aller chercher les bombes. Il va nous falloir des missiles. Ok. Donc ici, ouais, à droite, il faut des missiles. Ah, vous êtes déjà 50, les mecs, c'est énorme. Alors oui, j'ai pas la boule aussi. Ah, il faut aller tout en bas. Ça va pour la musique, c'est pas trop fort les gars. Vous l'entendez bien, c'est bon. Et là on revient à la fin de Metroid 1. Sur NES. Là où on avait explosé Mother Brain. Voilà ici là. Cette ambiance de ouf les mecs. Hop, on va aller chercher la boule. T'es sûr que tu veux pas mes gosses une semaine?
Je passe, Iliane, je passe. Alors, à gauche, il y a la bouboule. Voilà. Yo, moi, Alf. Alors, à tous, dans le top 3 SNES pour... Ah bah oui, non, mais oui. Super Metroid, tu le mets dans un top SNES direct, hein, ça. Salut, Nana. Je me suis pris Nightwish, ouais. Blasphemous en vagrant de Moscar au Micromania. Nightwish, tu me diras si c'est bien, Nana. Parce que je l'ai sur le PC, je l'ai pas lancé encore. Tu me diras ce que ça donne. Ouais, voilà, les missiles sont en bas. Voilà, hop. Le son crépite un peu parfois, c'est normal, hein, c'est les imperfections du MSU. Voilà, ça y est, on a les missiles. Metroid... Ouais, je sais, Nana, ouais. Metroidvania, shmup, ouais, ouais, ouais. Mais j'y ai pas joué encore, donc tu me diras si... Tu me diras s'il est bien, si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, on fera un petit stream découverte. Alors, hier, j'ai terminé une soldure en stream sans pitié. Ouais, j'ai vu que t'y jouais, moi. T'étais en super easy, bien sûr, en super hard, c'est chaud. Hein. Yo, Olive, comment tu vas? Je joue à un jeu de robot où faut avancer avec R1 et L1. Alors, donc déjà, c'est un jeu de PlayStation. Donc, alors, on s'est fait griller. Les ennemis savent qu'on est là. Super easy, ouais, d'accord. Alors, bah, te connaissant, Olive, ça doit être un jeu Jap. T'as un truc pas connu, quoi. Un truc underground. Alors... Personne l'a terminé en super hard, faut le connaître par cœur dans. Et faut savoir changer d'arbre au bon moment et tout, enfin c'est... Faut vraiment avoir campé dessus, quoi. Voilà, hop. Salut Onimusha. Donc ça va les gars. C'est vrai que quand t'es plus abonné, ça... Bah oui, ouais, y'a les pubs, ouais, voilà. Y'a les pubs, ouais. Yes, un jeu de manga, d'accord. Bah c'est Robot, bah c'est pas Non, c'est pas Ghost in the Shell. J'avais joué un peu Ghost in the Shell, mais très très rapidement. Oh, la musique, les mecs. La musique, elle est exceptionnelle. Avec les cœurs et tout. Non, non, je l'ai pas. Non, non, juste super easy. Non. J'avais pas le temps pour tryharder le super arbre. Super hard, c'est la même chose en fait. Les boss sont plus résistants et les crédits sont limités. C'est la seule différence en fait. Oh putain, la musique. Ouais, non, c'est. Je triche, Nana là. On est avec le MSU là. Si la Super Nintendo avait eu son lecteur CD, bah ça donne ça. C'est des ROM modifiés avec des sons CD en fait. Voilà. Oula, je suis tombé. Ah, les musiques sont exceptionnelles. Les mecs qui ont fait l'OST là, c'est. Ah, ils connaissent bien l'esprit du jeu. Hein. C'est trop cheaté là. Le pire, Nana, tu peux y jouer. Hein. Avec un Everdrive, ta Super Nintendo, elle le lit ça. Hein, avec un SD de SNES, tu te mets la ROM MSU dedans avec les musiques. Et c'est bon. Tu peux le lire sur Super Nintendo. C'est un truc de malade. Alors, je regarde toutes les pubs, ouais, je soutiens aussi la chaîne. Ah, c'est cool, bon, c'est bon. Bah, ça soutient, hein. Ça soutient, les gars. Hein. C'est... Tout ça, c'est pas inutile. Hein. Salut, ourson. Donc, tu vas. Salut, Game Floyd. Comment que ça va, les gars? Venez apprécier ce Super Metroid avec le son CD. Là, pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez le redécouvrir. Excalibur, mon OST SNES préféré. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait en MSU. Faudrait que tu regardes s'il existe en MSU. Pas mal, cool. Tiens, voilà, ça c'est la map. C'était prévu, ouais, mais Sony. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah, c'était prévu, ouais, c'était la PlayStation en fait. Hein. Voilà. Bien, super, et toi? Bah, oui, on est bien là. C'est quoi cette musique? Bah, c'est le. Musique MSU, ourson. Si la Super Nintendo avait eu un lecteur CD, bah, ça aurait donné ça. Voilà, et aujourd'hui dans le futur où on est, bah on peut faire ça. Oh super Soussou, 5000. Ah 5000 cheers, yes. Des bises mon super Soussou, tu déchires. Salut Karak.
Alors il y a du ouais, j'ai découvert très tard, jeu incroyable. Il est, voilà, jamais trop tard pour bien faire. Alors on a une save là-haut. Ouais, ici, hop. Ah mais ça envoie, mais d'une force les mecs. Vous êtes pas prêts hein, vous êtes pas prêts là. Pour ceux qui connaissent pas, vous êtes pas prêts les gars. Allez, je passe pas, il faut les bombes. Alors. Donc les petits crépitements que vous entendez, c'est normal hein. Le MSU c'est pas au point à 100%. Ouais, sur le vrai hardware c'est un truc de malade hein. Alors, une petite save, voilà. Ah vas-y, attends. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bon alors. Ah, attends, va falloir que je ressorte. Alors. T'as super sous 5000 cheers, t'as tu des chiffres. Voilà, faut valider que le A. Trop incroyable. Le son c'est une dinguerie. Salut Sorrento. Non mais les gars, vous êtes pas prêts hein. On va le refaire entièrement. On va faire plusieurs streams, on va le refaire entièrement, vous allez voir. Et si vous voulez qu'on fasse après d'autres jeux en MSU, on les fera. J'ai du Mega Man X, j'ai du Mario World, j'ai du Zelda 3. Alors. Ah bah les ROM changent pas elles hein, mais par contre oui bah t'as les musiques qui pèsent plus lourd, donc du coup tu te retrouves avec un dossier qui fait je sais pas 100, 150, 200 mégas quoi. Voilà. Mais la ROM en elle-même elle est pas plus lourde. Alors. Voilà. Ah Mega Man X, mais vous avez... Mega Man X, mais comment il tue quoi. Comment il envoie du steak. Je vous le mettrai vite fait en fin de stream. Mega Man X. Rien que la musique d'intro, t'en peux plus quoi. La musique d'intro, t'es par terre là. Bon alors lui il va se réveiller. Je crois qu'il stoppe mes missiles. Voilà, c'était un piège. Non ça va, je peux le toucher. Quoi? Vas-y, vas-y si tu veux. Ah, j'ai plus de missiles. Allez, crève. Oh là là, il va crever. Ouais, je l'ai vu, c'est bon. Salut Jing. Avec la musique, tu entends ce que tu manques avec la Neo CD. Non, j'en ai rien à foutre de la Neo CD. Avec ces putains de chargements à la con, j'en ai rien à branler. Voilà. Allez, c'est bon. Donc là, j'ai les bombes. Ah, c'est un modèle du genre. Voilà, c'est bon. Il va vite falloir qu'on s'upgrade là. Alors. Les bombes. Bon, salutations à madame, ouais. Madame, elle se repose. Ouais, j'ai pas le tir chargé encore. Alors, on va redescendre vite fait. Parce que la suite du jeu, c'est à gauche. Là. Et du coup... Ouais, on va pouvoir aller à gauche. Alors. Non mais là y a rien à troller hein, à boire hein. Ça, là, on... tu peux être la plus mauvaise foi absolue, ça passe pas là hein. Yo mon fixo, comment tu vas? Alors ça monte des barbecues au coin des rues chez toi, ouais c'est ça. Un apéro pour les 12K, oui bah oui pourquoi pas Petit apéro Twitch mon ridic, ouais. Pourquoi pas. Allez donc missile. C'est un bonheur de voir Samus, mais oui ça déchire. Neo Geo CDZ, non c'est pareil Herbert. Pareil. J'avais eu les deux à mon magasin, j'ai essayé, ça passe pas. Hein. C'est... Non, non. Alors. Si t'as mis la clé, on va mettre la bonbonne. Là. Allez, donc là, on va remonter, les gars. Hop là. On a une bonne réserve de missiles. Salut, Rétro Juju. Donc, ça va, les gars. Et voilà, avec les bombes, on va passer là. Toc. Alors, on recule un peu pour recentrer le scrolling. Alors, on va courir là. J'ai pas le pouvoir pour être... Ah voilà, container d'énergie. Très important les gars ça.
sans ça, le jeu il serait très compliqué. Plus on en a, mieux c'est. Alors ouais, il faut y aller à coup de missile. Voilà, ça se met en garde. Toc. Il y a des pastèques de tous les côtés. Ah bah oui, là c'est la saison. Alors. Voyons voir ce qu'il y a là. Ouais, musique réorchestrée, ouais, en MSU. Ouais. OST orchestral. Changer un peu l'ambiance là. Alors, ça nous emmène où là? Salut petite pelle! Donc tu vas... Ah voilà, ben là c'est comme Metroid 1. Metroid 1, il y avait deux boss à buter. Et en fait, ouais, c'était des petites statues qui s'affaissaient, puis ça nous emmenait à la dernière base. Donc là, on a une espèce de statue avec les quatre boss qu'il va falloir terrasser. Vous voyez, il y a les quatre yeux qui brillent. Et une fois que ces quatre boss seront battus, et ben ça va ouvrir le sol et on pourra accéder à la base finale. Voilà. Allez, procédons. Hop. À la fin, tout gère stock de. Ah oui, bah oui. Oui, parce qu'à la fin, ça bombarde. Hein. Le fameux Craig. Ouais. C'est, bah, c'est le. Normalement, c'est le premier qu'on va buter sur les quatre. Qui est aussi sur Nintendo. Mais alors, il a pas du tout la même taille. Hein. Il est tout rikiki sur NES. L'ambiance jungle ici. Alors on est parti. Il est sur Dread. Ouais, il est sur Dread, ouais, exact. Ouais. Un combat intéressant d'ailleurs. Alors, je ne vais pas avoir assez de missiles. Alors là, la musique elle est un peu plus forte que les bruitages. Hein. Voilà, ça c'est un des problèmes du MSU. Calibrer la musique des fois c'est assez compliqué. Tu penses le finir en combien? Oh, à l'époque je le finissais en, je sais pas, 2h30, 3h, mais là bon je suis un peu rouillé donc on fera, je sais pas, 3-4 streams je pense. Ah voilà la map, très bien. J'ai pas trop aimé Dread, non. J'ai pas trop aimé la direction qu'ils ont pris au niveau gameplay en fait. Du même niveau réalisation, franchement c'est pas. Là tu sens vraiment que la Switch c'est une console portable quoi. Alors, c'est bien, j'ai déverrouillé la map. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a en face là? Ok, on va aller voir en face là. Voilà. Mais à l'époque, ouais, quand je l'avais acheté Day One, ouais, je passe pas là. Il faut le pouvoir pour. Voilà. Bon, on va voir des missiles quand même. Voilà. Quand je l'ai eu à l'époque, je l'ai fini genre 2-3 fois d'affilée, hein, Super Metroid. Par contre, pour faire le 100%, c'est compliqué, hein, là. Je suis pro Sega, mais j'avoue que ce Metroid déchire tout le meilleur. Mais ouais, non, mais il déboîte, hein, je veux dire. On peut être pro Sega ou pro n'importe quoi. Un jeu légendaire, c'est un jeu légendaire, hein, peu importe la console. Alors, faut la. Ouais, non, c'est pas la supercharge, il faut le pouvoir de courir vite. Allez, une petite save. Le mode normal est dur, hein, je suis mort un paquet de fois. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, tu vois, c'est. Il est axé un peu trop de challenge. Enfin, tu vois, c'est. C'est une direction que je. J'accroche pas pour Metroid. Ok, on va aller à gauche là. Ok, des missiles, impeccable. Oh, cette OST, putain. Les mecs qui l'ont composé là. Ah oui, il faut pas tuer les ennemis. Parce que sinon, on va être dans le noir. Il y a des missiles en bas, je pense. Ça doit être trop compliqué. Oui, bah ouais, 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 tu vois le système de double joystick, je pareil, j'ai du mal. Tu vois, je préfère, tu vois, avec les L et R, là, tu regardes en haut, tu regardes en bas, c'est plus instinctif. Hein, ouais. Moi, je suis pro rétro, tout hardware confondu. T'as bien raison, Yann. Il y a du bon partout, les gars. Il faut en profiter. Alors, salut Nyx! Ah ouais, t'as raté un peu le début là. Alors, les musiques réorchestrées sont moins stressantes du coup, je trouve. Bah, tu vas voir, ça va dépendre des situations, rétro Juju.
Il y a des situations, ça fera un peu vraiment ambiance horrifique. Hein. Là, normalement, je passe pas. Là. Attends. Ouais, voilà, il faut les méga bombes. Ouais, ça chlingue, ouais, je suis pas fan. Je préfère largement la jouabilité de Super Metroid. Avec la bonne vieille manette SNES, c'est très bien comme c'est, quoi. Salut Tony, comment tu vas? Salut Rétro. Nintendo CDI, ouais, c'est ça. La Nintendo PlayStation qu'on aurait dû avoir. Alors, ouais, voilà, alors là, les petits carrés, là, on peut les utiliser avec le grappin. Voyons voir. Donc, on a une save en haut. Ouais, alors, je sais plus où aller, on va fouiller un peu. On va aller en bas, on va commencer par le bas. Ah oui, là, il faut les super missiles. Pour ouvrir les portes jaunes. C'est un jeu complet ou partiel? Non, c'est le jeu complet, hein. C'est juste la musique qui change, mais c'est le jeu. Sinon, c'est le jeu tel qu'il est. Hein. Y'a pas de problème. Ouais, alors là, on peut passer. On a la faculté de rebondir sur les murs, mais c'est compliqué à faire. Hein. Alors, encore une journée à taffer demain et 15 jours en Bretagne du Sud. Ah bah, c'est cool ça. Petite vacances après, Tony. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ah. Charge beam, ah excellent. Qui rechargé. Donc là, si je maintiens enfoncé. Voilà, ça y est. Et on peut même lâcher des bombes. Hein. Voilà, hop, tu te mets en boule et ça envoie 5 bombes d'un coup là. Ouais, bon bah là je passe pas. Ah bah ouais, non mais les musiques de base sont excellentes, hein, Riddick, hein, ça y a. Y'a aucun problème là-dessus. Mais ça change là. Voilà, je dis tiens, on va le streamer, on va le faire en MSU, ça va changer un peu. Ouais, alors là, ouais, tu vois, on peut rebondir sur les murs. Ouais, de toute façon, on passe pas, là. Mais la manip, ça se fait vraiment à une frame près, hein, c'est compliqué. Musique CD, hein, c'est un jeu prévu. Non, en fait, c'est le MSU Retro RVB. Donc, c'est-à-dire, c'est le jeu Super Nintendo tel qu'il est, mais avec des musiques CD. Voilà, c'est des ROM modifiées avec des musiques CD. Et le pire, c'est que ça tourne sur une vraie Super Nintendo. Avec un Everdrive, tu le mets dans une Super Nintendo, il marche. Et t'auras les musiques CD, c'est un truc de malade. Parce que la puce sonore de la Super Nintendo était prévue pour, apparemment. Mais là ça vous permet de redécouvrir le jeu, les gars. Voilà, donc il y a plein de jeux comme ça, hein, rétro. Hein. Metroid, Zelda, Mega Man X. Enfin plein quoi. Salut The Viewer, ouais, je t'avais pas vu. Comment tu vas? Bah c'est cool, ça c'est un des bonus dans le futur où on est les gars. Faut en profiter. Alors. Ah bah c'est une salle de sauvegarde ici. Très bien. Regardez la progression, comment elle est fluide. Alors, franchement j'écoute en bossant, c'est régal pour les oreilles, mais ça déchire pépé. Hein. Franchement ça déboîte. Oui, Castlevania 4, oui, ils ont dû le faire. Oui, ils ont dû le faire, c'est obligé. Même Vampire Kiss, je pense. Vampire Kiss, ça se trouve, ils ont peut-être mis l'OST de la PC Engine dedans. Salut Simon! Où tu vas? Alors, ouais. Voilà, je vais avancer. On va ignorer les ennemis. On va arriver au boss. Ah non, faut que je débute. Ok. Voilà, je vais essayer de les avoir à coup de missile, ça ira plus vite. Ah bah c'est bon. Voilà, bah là il y a le boss de la plante, si je me souviens bien. Oh putain, faut que je fasse gaffe, j'ai perdu pas mal d'énergie. Alors, j'adore quand tu streams des jeux rétro. Bah écoute Simon, cette version tu l'as eu DG. Bah ça se trouve sur... Tu tapes Super Metroid MSU sur Google, tu trouves hein. Il y a plusieurs versions, il y a plusieurs OST. Hein. Ça c'est la dernière, je crois, la version un peu orchestrale. Donc la plante, elle balance des espèces de spores là, qui en plus nous remettent de l'énergie. Voilà, puis là, quand elle s'ouvre, il faut profiter pour lui tirer dedans. Et alors aussi, ouais, quand je mets le charge, voilà, on peut booster notre saut. Hein. Merde, j'ai pas eu le temps de toucher deux fois.
J'en ai chié. Ah, le Zéro Mission, ouais, c'est le remake du premier de la NES, celui-là. L'ambiance, là, ça change tout, les gars. Ah, c'est bon, là, il a pris deux missiles, je crois. Salut, Cramp! Comment que ça va? Alors, on essaye de dégommer les petits sports. Ouh là, il a pris cher, là. Oh, il est énervé, là. Alors, attends. Voilà. Des bonnes collections. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, pépé, ouais. Bon, après, il doit y avoir plusieurs sites, hein, mais... Bah, c'est bien, parce que ça nous permet de redécouvrir nos jeux favoris sous un angle différent. Allez, ouvre-toi. Bon, il est presque mort. Je pense que le prochain coup, il est cuit. Je trouve que c'est pas intuitif comme manip, ouais. Alors. Le wall jump, il est dur, hein. En fait, le wall jump, t'es pas censé le faire. Il est là, mais t'es pas censé le faire. On peut péter le level design avec, hein. Mais le wall jump est très dur à sortir, hein. Mais par contre, le reste du jeu, enfin, le reste du... Mais c'est volontaire, hein. Tu vois, même moi, là, toi, il sort pas, là. Mais le reste du gameplay, y a pas de problème, hein. Parce qu'en fait, grâce au wall jump, on peut accéder à des zones où on n'est pas censé être. Tiens, je l'ai fait là. On n'est pas censé être dès le début du jeu, en fait. Ou rapidement, en fait. C'est un coup à prendre, ouais, ouais. Mais c'est compliqué, hein. La musique fait très RE, ouais, ouais, ouais. C'est très orchestral, hein. Je crois qu'on va avoir le... Oui, la super course, là. Oui, attends, non, c'est le super missile. Voilà. Ouais, mais c'est voulu, Simon, hein, t'inquiète pas, hein. C'est normal que tu galères à faire le wall jump, hein, c'est... Tu vois? C'est... Il est là, mais il est pas fait pour être utilisé. Tiens, tu vois, je le fais, là, mais c'est très dur, hein. C'est très dur à faire. Mais si tu le maîtrises, tu vas pouvoir aller... tu peux péter le jeu, en fait. Tu peux aller dans des zones assez tôt dans le jeu que t'es pas censé être. Alors, bah, les speedrunners, tu te doutes bien que cette technique, ils sont obligés de la maîtriser, quoi. Alors, tiens, voilà, super missile, hop. Salut Bogdan, comment tu vas? Je me suis inquiété. Ouais, non, t'inquiète, pas de problème. Non, pas de problème. Ce genre de problème à Sfax, ça dure pas longtemps. Voilà. SD2 SNES, oui, oui, bah avec le SD2 SNES Retro RVB, ça passe. Tu prends ta ROM MSU, là. Ton dossier, du coup, avec Super Metroid, par exemple, et les nouvelles musiques. Alors, attends, où c'est qu'on va, là? Ouais, on va aller en bas. Ouais, c'est en bas, ouais. Et puis bah, tu le mets dans ta petite carte mémoire, dans ton MSU, et ta Super Nintendo va te sortir ça. Incroyable. Incroyable, les gars. Et ouais. Nix, ouais. Marge de progression est extrêmement faux. Ouais, c'est ça, Nix, ouais. Et en fait, c'est ce qu'a essayé de reproduire Metroid Dread. Mais j'ai pas aimé la manière dont ils ont fait, tu vois, par contre. C'était trop... C'est trop technique, trop élitiste, en fait, peut-être. Tandis que là, il est optionnel, le truc, hein. On peut très bien faire tout le jeu sans faire aucun wall jump, hein, y a aucun problème. Ouais, ouais, on va le faire entier si bon. Plusieurs streams, 3-4 streams, je sais plus. Hein. On verra combien de temps ça prend, mais ouais, on va le faire entièrement. Alors. Mince, on est passé à côté de ça. Bah vas-y. Franchement, rétro, ça c'est un des gros intérêts pour lequel t'achètes un Everdrive aujourd'hui, quoi. Pourquoi il s'est passé quoi, Sfax? Bah en fait, on a plein de blagues ici, JB, qui transitent pour prendre des bateaux illégaux pour se rendre en Europe. Et puis, bah avec les Tunisiens, bon, en général, les blacks, ils sont dans leur coin, ils font chier personne, là. Mais il y a un black, là, il y a 2-3 jours, il a buté un Tunisien, quoi, il l'a assassiné, là. Alors du coup, bah, les Sfaxiens, ils ont dit foutez-les dehors, quoi. Donc les keufs, ils sont intervenus, la cavalerie, elle est arrivée, puis bah, il y a eu un peu de ménage de fait, quoi. Voilà. Il y a des techniques vraiment poussées qui n'étaient même pas prévues. Ah oui, c'est possible, Nix. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais oui, regardez. Ouais. Vous voyez, les gars, là, je suis passé, là. Je suis pas censé être là. Regardez, j'ai réussi à faire le wall jump. Regardez, les gars. Je suis pas censé être là. Hein. Hop. De toute façon, on va pas y aller, hein. Parce que là, il faut les bottes. Les bottes, on les obtient en bas. Écoutez la musique, les mecs. Ah, mais alors, attends, faut mettre des poubelles. Ouais, voilà. Oh, la musique, elle est exceptionnelle. Ah, il va falloir avoir le rayon de glace pour remonter. Ah, le level design, il est exceptionnel.
Ouais, c'est ça, il a égorgé un truc. Au moins, c'est pas que vous avez les couilles de... Ah oui, bah ni tout. C'est pas la France ici, hein. Ah bah ça change tout rétro, hein. T'as vu, c'est une redécouverte du jeu, hein. Total. Total, les gars. Ah non, les flics, ils rigolent pas ici, hein. Si les flics, ils ont l'ordre... Y'a pas de deuxième fois ici, les gars. C'est pas la France, hein. Ouais, vous entendez les chœurs en latin? Je vous montre la musique, les mecs. Oh, allez, j'ai des frissons, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, cette musique. J'ai des frissons, les mecs. Le son est géré comme le digit et pas comme le digit. Ah, voilà, c'est ça, Oli, d'accord. Merci pour l'éclaircissement technique. Non, non, bah je sais même pas où ça s'est passé, JB. Mais des blagues, ouais, il y en a pas mal par ici. Là. Bah, je suis à côté du centre-ville, c'est normal. Alors, re mon fixo. Le jeu est totalement fait. Niveau musique, oui. Niveau musique, oui, tenez. Ouais, c'est bon. On va. Je vais rebaisser un peu le son. Voilà. Toc. Alors, quelle est cette version avec cette musique de dingue, ouais. Bah, c'est version MSU, cramp. Si la Super Nintendo avait eu son lecteur CD, bah voilà, ça aurait pu donner ça. Là, pour ceux qui voudraient y jouer, c'est la dernière version de Super Metroid avec les musiques orchestrales. Parce qu'il y a une autre version MSU avec l'OST de base, en fait, si vous voulez, qui a juste été orchestré, quoi. Voilà, mais là, disons que ça change un peu l'ambiance, quoi. J'arrive un peu après la guerre, mais il n'y a pas de problème. Ah oui, là, je passe pas, là. Il faut le Varia Suit pour... De toute façon, t'inquiète pas, Cramp, y'a pas de problème. Putain, je vois pas, c'est vert ou c'est jaune, ça? Non, c'était vert. Ils avaient fait musique, c'est vrai que c'est... Ah, mais ça déchire. Ah oui, bah là, je passe pas. Attends, ouais, bah là, je passe pas. Il me faut le truc pour courir. Voilà, hop. Même moi, je me montre le son, les mecs. Je mets rarement les MSU car la qualité est pas toujours homogène. Oui, je suis d'accord. Ça dépend totalement du mec qui fait MSU. Mais cette version est vraiment superbe. Ouais, c'est... Non, mais je suis d'accord, Nyx. Hein. C'est... Trouver un bon pack MSU, c'est compliqué. Par exemple, moi, les Megaman X, genre le son était trop fort. Enfin, tu vois, c'est... C'est compliqué, quoi. Mais j'ai quelques jeux comme ça. Bah, hey, Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing, les mecs. Voilà. Je l'ai en MSU, là. Avec les vraies musiques, du coup. C'est énorme. Ah merde, putain, merde, j'ai gaspillé mes super missiles. Il tourne sur SNES 9X, Cramp. Parce que ça tourne pas avec tous les émulateurs. Mais avec SNES 9X, normalement, ça marche. Énergie temps. Je crois que les bots sont à côté. Attends, on va vérifier, mais je crois que les bots sont à côté. Ah non, c'est des missiles. Mais les bots, elles sont dans un endroit qui ressemble un peu. Tiens, bah, elles doivent être là. Les bottes, elles doivent être là. Ah voilà, elles sont là. Comme quoi, vous voyez, c'est pas la peine que je me casse la tête tout à l'heure. Voilà, high jump. Là, on va sauter plus haut. Toc. Je vais vous dire en fin de stream les jeux MSU que j'ai. Je vous mettrai Megaman X. Rien que pour voir l'écran de titre, les mecs. Là, vous allez prendre une baffe de Lopez, hein, moi je vous le dis. Vous allez prendre une baffe de Lopez, les mecs. Ah putain. Alors. Voilà, c'est bon. Ah merde, oui, faut que je tue le petit ennemi là. Ah merde, attends, faut que j'attende qu'il revienne ce couillon là. Tiens, il est là. Voilà. Ah bah tiens, super missile, attends. Hop, voilà, impeccable. Et là, la porte est ouverte, très bien. Je bois une petite bière à votre santé, les gars. Et bah, Iliane, allez. Alors. Bah, du coup, faudra que tu me confirmes quand tu viens, Iliane, du. Si tu viens samedi, fin d'après-midi, enfin tu me feras un petit message sur Twitter, tu me diras ça. Tu te connais par cœur. Oh bah il me revient au fur et à mesure. Je connais pas par cœur, mais ça me revient au fur et à mesure. Alors attends, là normalement on passe pas, je crois qu'il faut les bombes. Ici. Ah non, on passe. Ok, on va aller voir en bas. Ouais, ça va me revenir. Je l'ai fait. Je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais ouais, voilà, bah, c'était pas la peine, hein. Je passe pas. Je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais je l'ai fait au moins une dizaine de fois.
Donc même si je le connais pas par cœur, ça revient les gars. Oh putain, mais la musique est exceptionnelle. Alors là je cours avec le A. Ah ouais bah je passe pas là. Ouais là il me faut le... Bah, il me faut les... Oui bah là bah, je vais tout remonter. D'accord. Parce que là il me faut le truc pour courir super vite. MSU c'est quoi des GSTP? C'est les... le son CD pour les jeux Super Nintendo, Tony. Voilà. Tu vois là c'est le... Bah, c'est le Super Metroid que, comme on le connaît. Hein, y a pas de problème, c'est le même jeu. Sauf que là on a une musique différente. On a une musique qualité CD. Voilà. Je peux t'appeler après ça. Ouais bah ça marche Yann, pas de problème, vas-y. Tu m'appelles et puis on voit ça si tu veux. Alors. ah oui, merci, ici je passe pas, j'avais oublié. Il faut le variation là. Pour tolérer les températures extrêmes. Voilà. Putain, vous êtes 71 les mecs, c'est énorme. Bon après, le Super Metroid, c'est un classique. Allez, on est reparti là. Salut Nabets. À la tienne, yes, merci mon Tony. Mais non, je vous montre le son les mecs, c'est obligé. Là je vous montre le son les mecs, c'est obligé. Là. Mais elle est trop exceptionnelle cette musique. Salut R06, comment tu vas? Grand jeu, Maître Bolos, grosse influence, et ouais. Ah mais attends, mais je passe quoi là? J'ai pas le rayon de glace. Ouh, attends, il y a une zone à droite. Ah, il y a le boss, il y a Cred. Moi quand tu me fous des cœurs en latin, je suis en PLS. Alors. Ah. Matière à gratter les gars. C'est ce que je voulais faire. Il y a 1400 followers. Alors en fait c'est 1350 et quelques. Mais dès qu'on passe la barre des 50, Twitch ils te mettent au grand dessus en fait. Tiens voilà, j'ai réussi à wall jump. Mais là je passe pas, je crois. Ah bah si, on passe. On va avoir des missiles, je pense. Alors attends. Ah bah je passe. Non mais là il y a des boîtes. Ouh, le Spacer, yes. C'est bon ça. Ouais bah oui, on va aller buter Crête là. On va aller buter le premier boss. Voilà. Tout le bazar au bon rocher, toujours en arrêt. Vas-y, c'est après on a été ramé. Ah putain. Ah bah merde. Bah, on va... De toute façon, on va se voir à Aerocycle quand je vais venir en Vendée là. On va se trouver un créneau là. Ouais, ici. Toc. Ah bah, il est direct. Donc. Une idée du MSU utilisé. Tu parles de quoi, Nabette là? C'est l'émulateur, tu veux dire? À part ça, la patate comme toujours, nickel. Il y a un passage. Ah voilà, ok, super missile. Voilà, d'accord. Et voilà, on va passer. Yo mon Aurélien, comment tu vas? Et voilà, et là on passe avec grâce au bot. Alors, du fichier pour le son. C'est le dernier, je crois, version orchestrale du Super Metroid. Si tu regardes dans les... sur les sites, c'est celui-là, je crois. Il y a plusieurs bandes sur les sous. Bon, il y a un item, les gars, je crois, là-bas. De mémoire. Mais... On va avoir le week-end, ça, il est... ouais, de toute façon, t'inquiète pas, même si on se voit pas à la rencontre... si on se voit pas à Nantes à la rencontre... Aerosix, on se verra en Vendée, t'inquiète. On se verra en Vendée. Voilà, ok, alors attends. Thank you.
mec qui a orchestré la musique. PLS. PLS. La gueule à cette saloperie. Allez mon Aurélien, tu vas lui défoncer sa race à son cancer de merde. Vas-y, t'es en bonne voie. Ce que je trouve, ah bah je crois que c'est au milieu. Au milieu il y a un passage. Ah c'est là. Là où il y a la fissure, voilà. Nina va pouvoir faire un gym à base de pré-fou. Pré-fou et le bord vendéen. Ah, ça va être épique. Non, mais l'OST, les mecs, c'est pas loin. Ah, il va y avoir des petits creds là. On va baisser un peu la musique là. Parce que la musique du boss, ça va être un peu grandiloquent. Toc. Alors attends, il y avait un mini-cred, il fait chier là. Allez, mini-cred là, il casse les couilles. Alors ça, c'est cred comme il est sur Metro Hitness. Enfin, il est pas plus grand. Mini-cred. Voilà, là on peut passer par là. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Impeccable. Full life, full missile. Le boss est mythique, oui. Bah, le boss de Cred là, ouais. Il est énorme. D'accord, je suis full missile. Il veut pas remettre mes super missiles. Elle va prendre 10 kilos. Oh, ben oui. Il va falloir deux places d'avion dans le retour. C'est vrai que le beurre apporterait un peu de consistance au pré-fou un peu trop léger à digérer. Voilà mon pépé. Et il va falloir que j'essaye le pré-fou tomate séchée là. C'est une obligation là. Allez, un super missile. Ouais, Greg, il sera là en principe, on va dire, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bon, on est à Cred, là. On va le... On va lui envoyer des missiles dans sa gueule. Ah, ça rame. Préfou camembert, une furie. Préfou chorizo, faut que j'essaye, ça. Chorizo, tomate séchée, faut que j'essaye. Voilà, faut attendre qu'il ouvre. Reculer là, voilà. La mise en scène, les mecs, c'est ça. Parce que là, ils envoient plein de merde. Allez, ta gueule. Voilà, un super missile. Oh, pareil, la musique avec les tueurs. Putain, oh là. Merde. Allez, allez, il change de couleur. Là. Allez, super missile, ouais, il aime pas ça. Hein. Ah, c'est bon, il est mort. Ah, bah, le super missile, c'est l'équivalent de 5 missiles. Voilà, bon, bah, Cred, il a pas fait long feu. Impeccable. On dirait Fantasia, ouais, non, mais c'est une musique de film. Hein. Et voilà, variation, impeccable. On va pouvoir aller dans le feu. GG Easy, ouais, ça va, il a pas trop. Trop poser problème sur le film, mon frangin, ouais. Oh, ça va, hein, on avait de la vie. Il y a le Kralé aussi, ouais. Ouais, non, non, mais on va y aller mollo hein, sur les spécialités vendéennes. Hein, parce que sinon, ça change l'ambiance du jeu comme sur Neo CD, ouais. Ouais. Oui, mais là, regarde, Olive, t'apprécieras la qualité des temps de chargement de ce Metroid MSU. Je dis ça, je dis rien. Tiens, Mini Cred est de retour. Allez, dégage. Voilà. Bah là, on va aller chercher l'appareil qui va nous permettre de courir super vite. Bon, bah regardez, on avance bien, les gars. Bon, je vous remonte le son, là. Hein, obligé. Elle déchire tellement, cette fille. Alors,
celle de Maridia aussi de mémoire. Enfin, quand on sera dans nos jeux, parce que ça c'est déjà celle de Maridia, mais il y en a une autre. Alors, le secret que j'ai pas eu là-bas. Ah bah voilà, c'est ouvert. Ça doit être un conteneur d'énergie. C'est un conteneur d'énergie qu'il y a là, c'est une salle secrète. C'est après avoir buté Cred. Alors attends, il est caché le conteneur. Attends, regardez, un singe chanter pendant 12 heures. c'est une passion. tu t'es trouvé une nouvelle vocation. Ta voix est faite par rapport au son du jeu. C'est normal, je l'ai monté à fond, Alf, là. Je baisse un peu, les vas-y. La zik est tellement bonne, je l'ai fait péter, les mecs. Hein. Alors. Voilà. Même les bruitages ils sont faibles, hein. La musique elle est un peu forte. C'est pas grave, elle est tellement bonne. Hop. Allez, procédons. Donc bah là ouais, alors attends, un super missile, voilà, pour ouvrir. Et du coup, bah on va redescendre. Voilà, on va aller à Norfer. Ouais, je peux pas. Ouais bah de toute façon on peut pas remonter, il faut le rayon de glace. Voilà. Ça va, on avance bien, une heure de stream là. Ça avance bien, c'est cool. Très bien. Bah là du coup à droite on va pouvoir y aller. Et alors en bas on passait pas. Et puis à gauche je passe pas parce qu'il faut le truc pour courir. Ok, bon bah allez, on descend. Faire la boussole, on mange la pêche, ouais ça marche, ouais. Ah bah c'est cool. Bah des bisous à toi Hero6. Passe une bonne soirée et puis bah à demain alors. Demain on va streamer, je pense qu'on va streamer Mister Gimmick parce qu'il est ressorti sur les consoles modernes. Et du coup j'ai eu la ROM là, j'ai demandé la ROM pour comparer, ils me l'ont filé. Donc demain on va faire un petit comparo si vous voulez là, Mister Gimmick. Peut-être qu'on va mettre le jeu original sur NES et puis on va le mettre sur Xbox, on va voir ce que ça donne. Bah les musiques c'est la claque, ah mais grave. Ah mais Ilian, je te ferai écouter qu'on... Parce que là je suis sur mon matos son là, t'es pas prêt hein. T'es pas prêt. Je te ferai écouter l'Amiga CD32 si tu vas voir. T'es pas prêt. Gimmick. Ouais bah disons que la nouvelle version, oui il y a Rewind, il y a Safe State, il y a tout. Donc bah ouais on verra. On verra si on le finit ou pas. Je suis pas trop fan du jeu hein. Mais je l'ai demandé quand même, j'ai dit allez on va voir. Normalement c'est le... En fait c'est... C'est le produit feignant ça hein. C'est on met juste la ROM du jeunesse avec avec du Rewind, des machins, enfin les trucs classiques hein, mais c'est tout quoi. Mais bon on va voir un peu la gueule qu'il a Alors oublie ces pets couilles, non mais on oublie hein. Alors ouais bisous Tony hein. Bon week-end à toi mon Tony. Ah oui les hippocampes là. Les hippocampes ils sont chiants. Voilà, alors là par contre je suis sensible à cette lave, mais plus tard on le sera plus. C'est du passage un peu coton. Alors là c'est le même style graphique sur NES. Il y a sur NES quand on va buter, je crois c'est Ridley, c'est le même style de décor. Alors, t'es loin de la mer DG? Non, non la mer elle est à même pas un kilomètre là. Mais on n'a pas de plage à Sfax en fait, c'est con hein. Tactile levier vers la fin du jeu, c'est que obligé de refaire une run. Oh, c'est relou ça. J'ai jamais trop aimé Gimmick. Il est bien, hein, mais le gameplay. Bon, c'est pas mon truc. Ah voilà, ça s'ouvre ici. Un coucou, c'est pour les vacances. Ouais, ça marche Tony, hein, tu passes quand tu veux, t'inquiète. Hein. Ouais, il y a une petite bestiole là, voilà. Ah, il y a un missile en bas. Alors, attends, fais voir la carte. On va aller voir à gauche là. D'accord, on va aller voir en bas. Ouais, non, mais il est bien Gimmick. Hein. Moi, j'accroche pas trop, mais ça vient de moi. Hein. Allez, on va aller en bas. On fera l'exploration plus tard. Tu peux pas bronzer ou te baigner, ouais. Bah, non, à ce fait, c'est compliqué, non. Non.
Alors, y'a rien ici. Non, y'a rien. De mémoire, y'a rien en plus. Ah, super missile. C'est juste des ennemis qui sortent à l'infini pour se reloader, je crois. Ok. Mais il vaut pas son prix. Ah bah, on est d'accord. On est d'accord, Alf. Hop, hop. Oh, la musique, elle est exceptionnelle encore, là. Putain, elle est vraiment oppressante, là. Ok, alors, attends. Je me souviens. Ouais, on va aller voir à droite ce qu'il y a. Je crois que je passe pas, là. Car regardez les têtes d'aliens. Ça, merde. Les têtes, on peut les congeler avec le rayon de glace. Ouais, d'ailleurs, je crois que j'aurais dû passer ici avec le rayon de glace. N'est pas fan de la plage, non. Non, t'as deviné. Je suis pas très fan de plage, en effet. Ouais. Ah, lui, j'avais... Je croyais me souvenir qu'il sera baissé dans la lave. C'est peut-être le deuxième. Celui-là, là. Oui, voilà, celui-là, il... On est un peu trop lourd. Voilà, ça passe. Alors, où c'est que ça nous emmène, ça, déjà, là? Ouais, d'accord, faut aller en haut. Je vais aller voir en bas s'il y a rien, là. Ouais, ces petites merdes, là. Voilà. Ouais, là, on passe pas. Ah, attends. Mais on passe pas, normalement. Oui, voilà. Ouais, putain, il y aura plein d'endroits à fouiller ici, à explorer, là. Parce qu'il y a plein de routes que je suis passé à côté. Alors... Aucun jeu vaut ce prix. Ah non, mais on est d'accord. Hein. Mais même en loose, combien il coûte en loose aujourd'hui, petit look là? Ça doit être 1000 euros peut-être, non? Je sais rien. Alors. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Alors attention, oui, voilà, parce qu'on tombe. Je vais aller voir tout en haut ce qu'il y a. Je me fais un but. C'est là que l'aspect labyrinthique commence, les gars, dans Norfair. Ah, mais cette ambiance avec la musique, exceptionnelle. La billet de mille en loose, oh la vache, putain. Abusé. Ah oui, on revient là, d'accord. Ah oui, 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 là on passe avec le grappin. Attends. Faut le grappin ici, ouais voilà, c'est avec le grappin. Putain, alors je vois jamais la couleur. Voilà, on va tenter. 1800 en loose. Oh, 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 oh. Oh la vache. Abusé, quoi. Et hop, petit passage, les gars. Donc là, on va avoir le grappin qu'on va obtenir avec un boss. Et on va avoir normalement le truc qui va nous permettre, voilà, de courir plus vite. Ça passe là. Voilà. Ouais, on va la voir. Ça va pas tarder. Hein. Le truc qui va nous permettre de sprinter méga vite. Ah, salut Steph! Comment tu vas? Ah, ben voilà. Impeccable. Il est là. Quel jeu vous parlez? On parle du gimmick, ouais. Gimmick Nabetz. C'est un des jeux les plus rares en S. Alors regardez les gars là. Là on va se mettre en course nucléaire. Alors il peut y avoir tout en face, hein. Des ennemis, des éléments de décor et tout, on traverse tout, on pète tout là. L'essence c'est de la folie, ouais. Mais le pire c'est que c'est capable de se vendre, hein, Yann. Hein. Un mec qui veut faire le full 7 balles, c'est compliqué, hein. Alors. Bah du coup, ouais, je vais... Attends, voir. Est-ce que je backtrack Ou alors... Ah non, on peut essayer de... Ouais, on peut essayer de repasser, là. Ah, ils sont deux, là. Vas-y, on va essayer d'y aller, là. Alors, j'espère que tu t'en souviens, Steph, de Super Metroid. C'est une légende, ce jeu-là.
C'était peut-être même toi qui l'avais noté, à plaigneur, ça se trouve. Des missiles. Hop. Alors, si tu jouisses en 60, il lit comme la version Jap, tu peux le laisser en 50. Je crois qu'il bug, Alf. Faudrait que je réessaye dans ma NES US, mais je crois qu'il bug. Ah, je passe pas là. Mais pareil, il faut le grappin. Le grappin, à moins que. Attends, attends. Allez, attends, parce que ça pour. Ouais, allez. Merde, non, je vais pas passer là. Non, attends, on va. Oui, voilà, faut que je m'échappe. Parce que là, j'ai perdu trop de vie. Mais avec un bon rebond sur le mur, je pouvais passer là. Ouais, mais là, vu que j'ai pris cher, on va pas prendre de risques. On se souvient, pas rejoué depuis bien longtemps. Ah, mais il est excellent. Regarde, et là, Steph, en plus, j'y joue en version MSU là. Donc, si tu connais pas le MSU, en fait, c'est des jeux de Super Nintendo, mais avec une bande-son qualité CD. Et tu peux même le lire sur une Super NES normale avec un Everdrive. C'est un truc de malade, hein. C'est comme si la Super NES avait eu son lecteur CD. Parce que là, bah, c'est le Super Metroid tel qu'il est sorti, mais avec des musiques réorchestrées, quoi. Et du coup, ça change tout, quoi. Ouais, dans 60, c'est une honte à ce prix. Tu m'étonnes. Faudrait que j'essaye, on essaiera. Faudrait que je réessaye. Bon, bah là, on va descendre, là. Hop. Tiens, on va sauvegarder. Ça fait longtemps, là. On pourrait faire un Mighty Final Fight. Ouais, au moins, oui. Ouais, enfin, même celui-là, il est trop cher. Hein. Trop cher pour ce que c'est. Alors, voilà, on est parti là. Que je regarde où c'est qu'on peut aller là. Ouais, à gauche en bas. Non, c'est pas là, ça va être là-bas. Alors, c'est à cause de mecs qui achètent. Bah oui, le prix baisse, oui, bah oui, parce que. Un mec qui a un gimmick, un mec qui a besoin de cash, bah voilà, tu baisses le prix, puis c'est tout. Faudra que je le refasse, mais j'ai à jouer, c'est celui sur GameCube. Ah oui! Ah bah le Metroid Prime, il est. C'est le meilleur, hein! Super Metroid, il est exceptionnel, mais Metroid Prime, je crois même qu'il est encore meilleur. C'est un truc de malade, hein, ce qu'ils nous ont fait là, Nintendo. Parce que le Super Metroid, il est quand même bien légendaire. Hein. Alors, ah oui, là, il faut le tir qui traverse les murs. Oula, alors, attends. Voilà, doucement, doucement. Hop là. Ouais, mais quand t'as tout et qu'il manque ce jeu, bah, tu rack. Sinon, tu rack pas, Dorn, hein. Tu te raisonnes, tu reviens à la raison, puis tu dis non, fuck. Jamais de la vie, j'achète un jeu ce prix-là, et puis à faire classer. Voilà. Ouais, pour les collectionneurs, bien sûr. Enfin, c'est pas raisonnable, quoi. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec son fric, hein, mais... Enfin, moi, j'en ai plein le cul d'entendre cet argument, quoi. Celui de la DS, t'es pas si mal aussi de mémoire pour la console, ouais. Je l'ai pas fait, moi. La 3DS, tu veux dire, Steph? Le remake du 2, là. Là, normalement, je passe pas. Parce que là, c'est bloqué de l'autre côté. Ouais. Ah, mais attends, je vais passer avec le pouvoir de la course, en haut. Alors, oula, hop. Ça c'est jaune, je crois. J'essaye pas. Voilà, là on va y aller. Voilà, et là on passe. Voilà, ok, impeccable. Alors. Ah, bah c'est le rayon de glace qui est là, je crois, de mémoire. Ouais, c'est le rayon de glace, les gars. Ce qu'il veut avec son fric, ouais. Ouais, mais enfin, c'est pas une raison, Dorn, je trouve, quand même. Parce que tu peux être pété de pognon et puis avoir quand même la tête sur les épaules et puis te dire non, merde, acheter un jeu à 1000-2000 euros, c'est pas raisonnable, je le fais pas. Bon, après, si t'as gagné à l'euro million, que t'as 250 millions d'euros, t'en as plus rien à branler, hein, ça on est d'accord. Hein. Le Earthbound, j'aurais jamais qu'il y a 2000 balles. Moi, je sais pas, il y a 5 ans, mais c'est un truc de fou. Alors, là, ouais, il va falloir passer par là. Alors, on va laisser passer les monstres. Voilà, le rayon de glace, normalement, il est pas loin. Quasi, mais rien à foutre de la collègue, je suis gamer. Ouais, voilà, ouais. Le rayon de glace. Impeccable. Ice Beam. Voilà, on va pouvoir congeler les ennemis. On va pouvoir congeler les têtes, on va remonter là-haut. Voilà, toc. J'adore le bruit quand l'ennemi se congèle.
Alors, une trottinette à 1800 balles. Ah oui, quand même. Bah après, je sais pas combien que ça coûte, une trottinette. Hein. Et voilà, et là, on va pouvoir passer. Allez, allez, attends. Ah, ouais, c'est bon, on est passé. Hop. Allez. Ah, mais c'est Steph, c'est... on redécouvre le jeu, là. On redécouvre le jeu, Steph, là. C'est un truc de malade, hein. Ce qu'ils ont fait, là, c'est... c'est exceptionnel, hein. Je vais vous mettre Mega Man X vite fait en fin de stream, vous allez voir, c'est un truc de fou. Je veux le Castlevania en Jap sur MD, vu le prix, est tombé, ouais. Combien il coûte maintenant le Castel là? 250, 300 balles, je crois. Je me fais une putain de salle d'arcade avec un flipper jukebox et tout. Ouais, ouais, non, mais fais-toi plaisir, Juju. Hein. Bon, alors, oui, on a le rayon de glace. Ouais, on va remonter maintenant. On va remonter. Ah, on avance bien là, franchement là. Je vais devoir y aller. Bon stream à demain. Ouais, ça marche rétro, hein. Bisous à toi, puis bonne soirée. Puis bah à demain, ouais, comme d'hab. Hein. C'était 800 en complet. Ah oui, Mega Drive. Oh la vache. Ouais, en Jap aussi. Ah là, on retrouve la musique de Mariga. Et en PAL, c'est combien? 250, 300 hein. N'importe quoi. Merci, dis ça à ma femme. Voilà, on reviendra plus tard à Norfer. Putain, mais cette musique. 250 complet de Genesis. Ouais, 250, 300, d'accord. Donc là, voilà, je peux remonter. Hop, je congèle les ennemis. Voilà. Voilà, et là, grâce au bot, eh ben, on passe ici directement. Et avec le rayon de glace, voilà, on peut monter. Donc 100 balles dans un jeu. Ouais, c'est déjà assez. J'ai une belle somme, 100 balles. Alors, ouais, on peut aller en bas là. Je pense qu'il y a en bas là. Putain, je vois pas la couleur. Ouais, c'était vert, ok. Bah perso, je mets pas plus de 10k dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens? Je me souviens plus. Ah, 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 ah. Ouh, c'est beau ça, les pouvoirs bons. On a les pouvoirs bons, bordel de merde. À part Tata Agat, 200 balles, ouais. En complet, non? Ou en loose, Yann? Le pire, attends, je crois que mémoire qu'il y a, attends. Non, il me bec. Ah putain, je peux pas m'enfuir. Voilà, c'est bon. Attends, on va en mettre une super bombe là. Ah, ça les bute même pas, putain. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un passage secret à travers une plante là, mais j'ai dû confondre. J'ai pris un carton dans Big Box, super rien fait, ça fait le taf, ouais. Bah surtout pour la merde que c'est. Faut savoir être raisonnable. Ouais mais voilà c'est ça, Dorn. Complètement. Bon bah c'est bien, on aura super bien avancé là pour ce premier stream là. On va continuer un tout petit peu. C'est, il est tellement bon les mecs. T'as pas envie d'arrêter quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, comment que c'est bonnard. Voilà, ok. J'ai la charge. Ouais, c'est là qu'il y a le... C'est là qu'on passe à travers. Voilà, c'est là les gars. Voilà, regardez ça les gars. Hop.
J'ai acheté pas mal de jeux Neo, tu m'étonnes. Ah merde, j'ai sauté. Ah putain. Doucement. Voilà, faut bien que je dose le saut là. Oula. Voilà, et une power bomb de plus, ça se refuse pas. Et hop. Quelle mémoire. Ah ouais. Bah ça me revient, hein, tu sais, comme ça. Je connais pas par cœur, mais dès que j'arrive sur l'endroit, je dis ah oui, il y a ça ici, tu vois. Ça me revient au fur et à mesure. Je me rappelle de rien dans les jeux, moi. Ouais, moi, en général, j'ai une mémoire de bâtard. Enfin, ça, vous le savez. Ouais, j'ai acheté tel jeu en 2002, je l'ai payé tel prix. Alors, ah bah ouais, on est revenu au début. Et là, ouais, on a l'épave. L'épave, ah bah bon, je crois qu'on va arrêter le stream là, ça va être parfait là. Voilà, on a Liquid Chip là-bas. On va se le garder pour le prochain stream. Je vais vous mettre un petit Megaman X pour finir. Juste le début du jeu. Alors attends, oui là. Voilà, on va courir. Merde. Voilà. On casse avec ça. Au point cop à la roche, ouais. Grave, hein. Très bonne mémoire visuelle, ouais. Ah, la musique, bon, on croit qu'on dirait un film. Et voilà. Je dois filer. Ouais, ça marche, Simon. Hein. Tu passes quand tu veux. Voilà, on a fait une petite sauvegarde. Je vais faire une save state au cas où. Je vais vous mettre Mega Man X. Alors, save game position. Ouais, voilà. Allez, slow down. Voilà. Toc, et puis bah, on fera la suite la semaine prochaine, les gars. Hein, évidemment, on va le continuer. Mais là, en petit bonus, je vous mets un. Alors, tiens, je vais vous dire ce que j'ai là. J'ai Zelda 3, j'ai Contra 3, j'ai Joe et Mac, j'ai Axelay, j'ai Chrono Trigger, j'ai Donkey Kong Country 2, j'ai Final Fantasy 6, j'ai F-Zero, j'ai les 3 Mega Man X, j'ai Rock'n'Roll Racing, avec le vocal, j'ai Secret of Mana, Super Mario World, Super Road Blaster, c'est Road Adventure Mega CD. Bah, ils ont pu le faire là. Castlevania 4, Super Ghouls and Ghosts et Tortue Ninja 4. Les gars, là, je vous mets un petit Mega Man X et puis voilà. Ça conclura le stream. Voilà, alors attendez que je vous mette la fenêtre du jeu, les gars. Toc. Toc, toc, toc. Vas-y, Mega Man X. Mais non, je t'ai dit Mega Man X là. Pas la fenêtre. Putain, le con. Donc, c'est pas ça. Il me fait n'importe quoi là. Capture de jeu. Alors, Mega Man X. Mega Man X. Ouais, voilà, ça y est, on l'a. Les gars, vous êtes prêts là? Vous êtes prêts, les gars, là? Vous êtes prêts pour un petit Mega Man X? C'était top, merci, les jeux, bonne soirée. Ça marche, Karak, ouais. FF6, ouais, on risque de se faire striker, hein. Parce qu'en général, les musiques de FF6, elles sont copyright. Les gars, je vous montre le son, vous êtes pas prêts là. Vous vous souvenez de la musique de l'écran de titre? Ouais, on fera un stream, c'est Nine Angel, ouais, ça vaut le coup. Vous vous souvenez de la musique de l'écran de titre de Mega Man X? Voilà, écoutez-moi ça, les mecs. Putain, ça déchire. C'est un truc de malade, les mecs. C'est un truc de fou. Regardez juste le début du jeu. Alors, voilà. Avec de la vraie gratte. Avec de la vraie guitare, les mecs. C'est un truc de fou, les mecs, hein. Imaginez si on avait eu ça à l'époque. Non, on aurait pété des câbles, hein.
toc, voilà. Le level 1 d'Axelay. Ah, je le mets pas Axelay, il me fout la gerbe. Dommage, hein. Oh, si, sûrement j'y vais, hein. Voilà, je vais mettre pause. Oh, Street Fighter 2, sûrement, ouais, je l'ai pas. Mais oui, ça doit exister. Oui, ça doit exister, ouais, sûrement. Voilà, on va baisser le truc. Allez, gars, ça conclura ce petit stream. Donc, ouais, non, mais en MSU. Puis, je peux en choper d'autres, hein. On peut en choper d'autres, les gars. Hein. Là, pour le prochain, je vous mettrai l'intro de Tortue Ninja 4, là. On l'imaginait, la gratte dans nos têtes. Et ouais. Mais là, bon, c'est vrai que Steph, la voir en vrai, l'écouter en vrai, c'est. C'est. Alors, ça tue un peu l'imagination, peut-être, je suis d'accord, mais ouais, ça envoie du pâté quand même. Hein. Allez, bah, on va regarder si on a un pote qui stream. Allez, on parie qu'on a Moa. Voilà. Je suis sûr qu'il y a Moa qui stream. Comme d'hab. Et puis, du coup, bah, rendez-vous demain 18h, comme d'hab, les mecs. Et bah, je pense qu'on va se faire gimmick. Hein, on va se tester le petit gimmick demain, voir un peu, bah, faire la comparaison avec la version NES. Et puis, bah, de toute façon, on continuera Metroid semaine prochaine, hein, bien évidemment. Y a que Savoon qui joue à Final Fantasy XVI. Voilà. Bon, il a 220 viewers. Bon, c'est pas la peine d'aller chez lui, je pense. Voilà, donc bah, du coup, on fera pas de raid. C'est pas la peine. Bon, parce qu'il y a personne qui stream là. Donc voilà. Bah, les gars, sur ce, bah, des bises à tous. Hein, j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce Super Metroid. On va le continuer. Vous inquiétez pas. On va le continuer en MSU. On va le terminer la semaine prochaine, hein, je pense. Ouais, ça fera 3-4 streams. On va voir. On va essayer de le finir avant que je parte. Et puis voilà, puis demain gimmick, et puis c'est bon quoi. Donc rendez-vous demain, bah, 18h comme d'hab les mecs. Hein. Des bises à tous, bonne app, passez une bonne soirée, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.